Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Front en solo pour ce côté pardon de la partie. On s'était laissé là dans le désert qui a l'air plutôt. J'ai cru qu'il n'y avait pas de son à mon jeu. J'ai le casque qui est hyper bas quoi. Ok. Le désert qui a l'air plutôt compliqué, mais c'est pas grave. Je vais commencer à me faire une base ici pour pouvoir poser les ateliers et tout ça et tout ça. Je crois que j'avais du bois quand même. On va commencer à couper quand même autour de chez nous parce que c'est le bordel hein, niveau bois. Il y avait donc des pumas et des aigles là qui m'ont attaqué. Donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo de cette série si jamais vous voulez voir un petit peu les avancées au fur et à mesure. Enfin voilà, bah écoutez, parti pour farmer, hein. Parti pour farmer un petit peu. Alors ça, j'ai l'impression que ça va aller assez vite. Faut que je me fasse un sac de couchage ici aussi, ce serait pas mal. Regardez tous les arbres qu'il y a, quoi. Alors, je sais pas s'ils repoussent, j'espère que oui. Que les ressources reviennent assez rapidement aussi, parce qu'on en a beaucoup, mais ça peut partir vite, hein. Soudain, les. Ah. Alors, ça, j'aime bien, c'est la réparation, c'est un peu comme Arc, vous recliquez sur la touche du raccourci et ça vous la. Ça vous la. Comment? Ça vous la répare directement. Et pareil, j'allais dire, et pareil comme Arc. Et pareil comme Arc, quand vous mourrez, bah, vous reprenez votre stuff au même endroit où vous le mettez dans vos touches de raccourci. Ça, c'est cool aussi, dans votre barre de raccourci. Et ça, c'est bien aussi parce que c'est chiant de tout reclasser. Je sais plus quel jeu, il fallait tout remettre. Je crois que c'était No One Survived. Qui était très bien aussi. Hein. N'hésitez pas, pour ceux qui tombent sur la chaîne, à aller voir la série No One Survived. On était en coop. Et le jeu était top, hein, pour le coup. Il y a dû avoir pas mal de mises à jour depuis, mais. J'ai ramassé un peu de ça. Je sais pas pourquoi, mais. De l'autre cactus. J'imagine que ça m'hydrate, hein, au nom. Mais comme je suis à côté d'un lac, ça va. Et ça se casse ou pas? Et vivement qu'on puisse refaire nos touches, parce que là, j'aime pas trop. Ça me donne du bois et. Mais du bois, j'en ai largement assez en fait. Je crois qu'il n'y a pas de limite de poids pour l'instant. Du coup, hop. C'est là que j'ai fait, hein. J'ai aucune idée. Transformable. Très bien. Et je pense non transformable. Moi, je sais plus lesquels j'ai fait. On va faire celle-là. Hop, hop, hop. Il n'y a pas un atelier à faire, je sais pas quoi. Un feu de joie, ce serait bien aussi. Ça, des. Non, le casque, non. Oh. Je voulais faire une caisse en bois. Une boîte en bois, du coup, ça s'appelle deux au moins. L'atelier d'artisanat. Eh bien, puis si, hein, du coup, on va se faire quand même une armure. On va pas trop, là. Hop. Un couteau. Je pense que ça peut être pas mal pour se défendre. Des bolas. Enfin, un lasso, du moins. Pardon. Et une lance. Hop. Franchement, là, on va être bien. Là, on va être bien. Puis en plus, ça nous débloque des schémas. Donc oui, c'était bien celle-là. Parce que vous voyez, ça me les a laissés en raccourci. Donc ça, c'est bien. Pardon. Hop. À faire non plus un truc de. Je peux pas en faire plus que ça. Ah si, ça m'en fait encore, ok. Ouais, j'aurais bien aimé quand même si. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire un étage là. Ce qu'on va faire, une entrée. Et ensuite, on fait le plus gros à l'étage. Là, ce serait une sorte d'entrée avec des trucs. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, faut voir ce que ça donne, mais. On va attendre l'échelle plutôt. Ça, je vais les garder pour poser les pièges en bas. Oui, j'ai faim. Non. Non, je voulais juste manger. Ça remonte pas la fin, la pastèque? Ou alors c'est très long à remonter la fin? Bah, ça donne beaucoup d'eau. Bah, après, c'est beaucoup d'eau, mais normalement, ça devrait remonter quand même un peu la fin, quoi. Alors. Hop. 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 Hop, pourquoi pas? C'est bien, alors ça c'est bien qu'il n'y a pas de collision de structure aussi. J'aime bien dans les jeux quand ça fait ça. L'escalier. J'ai le feu de joie. Mon petit feu. Non, je le ferai peut-être là-haut. Ah oula. Ouais, allez, on va le faire là, le petit feu de joie. Hop, les caisses.
Une à côté du feu, histoire de dire pour la bouffe. Et l'autre, on verra. Et l'escalier, c'est toujours pas. Ça me fait l'établi d'abord. On va pas y arriver avec mon escalier. J'aurais voulu le faire directement. J'aurais dû tout annuler avant, mais bon. Je suis même pas sûr que ça me l'ait construit. Non, oui, non. Ou alors j'ai plus les ressources. Hein. Hop. Hop. Fais-moi ça, du coup. Peut-être la file d'attente était trop longue. Et ça. Ok. Allez. Bon, tout est assez rapide. Hein. Barrière à cheville, pas mal. Là, du coup. Ah, dommage. Dommage. Oh, attendez. Non. Là. Bon, clairement, ça suffira pas, mais. Clairement, ça suffira pas. On peut pas les. Non, hein. Très bien. Alors, les murs. J'ai quoi comme mur? Mur en bois. 2 x 2. Juste pour voir. Et celui-là, le classique, je pense. Je vais juste voir ce que ça change. Et ça, du coup, bah, ça doit donner à boire, je pense. Utilise. Ok. Donc ce mur-là et ce mur-là, c'est ça? Alors celui-là, très grand. Et celui-là, on sait pas. On sait pas pourquoi. Très grand. Et hyper grand. Ah oui! Ah d'accord. Bah, un hyper grand en vrai. Non mais je voulais tester les murs, mais ouais. Alors attends. Ah oui, ouais, comme ça vous évite de. D'accord. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, hein. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et ça, c'est un petit mur, mais le petit mur m'aide pas plus que ça. L'escalier, je le trouve bizarre, quoi. Il est pas assez gros. Attendez. Ouais, non, vous voyez. Ouais. Moi, j'aurais voulu que mettre un plancher, quoi, un truc qui tienne là. Pourquoi pas, mais. Ah. On va essayer de se démerder avec ça au pire. Je pense qu'il y a des planchers, mais le truc, c'est. Si je pose un plancher. Mais non. Ouais, c'est celui-là. Celui-là. De toute façon, j'essaye tout, hein. En vrai. Ah oui, alors ça fait un énorme plancher, quoi. Ok. Oh, c'est pratique pour tout ce qui est grande pièce. Par contre, pour ce qui est au sol, voilà quoi. Mieux, ça serait ça. Non, mais il me faut une fonda, en fait. Il faut un truc. Ah, c'est dommage, hein. L'escalier va être bizarre, en vrai. Ça gêne pas du tout mon perso, mais ça me gêne moi. Ça me gêne moi. Il y a moyen de faire un escalier de la taille. Enfin. Voilà quoi. Et si. Non, ça voudra pas. C'est-à-dire, je pose ça et je. L'escalier, regardez. Ce qui est chiant, c'est que s'il me faudrait un demi-mur, en fait. Là. Ça changera que dalle. Mais je suis contente. Et ça. Bah, attendez, là, ça veut bien. Tout à l'heure, ça voulait pas. J'ai rien compris. Parce que j'ai mis un demi-mur, peut-être. Ok, pourquoi pas. Alors. Donc les grands trucs en bois, c'est ceux-là. Je sais pas.
pense qu'il va falloir une fondation quand même. Je sais plus lesquels c'est les grands. C'est normal. Ça, c'est grand ou pas? Oui, hein. Pourquoi je peux pas là-bas? Ah, vous êtes... Impossible de placer quand ça chevauche. Bizarre. Quoi? Parce qu'il faut un mur. Ouais, je découvre, hein, les copains. C'est pas facile en vrai. Hein. Enfin, il est facile, ça va, mais faut arriver à faire ce qu'on veut. Après, on peut poser les ateliers et tout au sol normal, hein, mais moi, je voulais quand même fermer ma base, quoi. On est censé être protégé là-dedans. Quoi, il y a quoi qui va pas là-bas? Si, tu peux là-bas. Voilà. Ok, donc on arrive là. Et ensuite, bah, j'aimerais bien. Alors après, pour le coup, pour la tech et tout ça, magnifique le perso. Pour ce qui est tech, d'ailleurs, je mettrai ça. Comment structure? Ça. Dehors, s'il y avait du vert plus loin, peut-être. Hein. Ouais, je pense. Je pense, mais pour l'instant, on va faire en bois et après, on pourra détruire. Hein. Alors après, si je détruis, je sais pas si ça va faire que tout va se péter la gueule, hein, mais... Plancher en bois. Hop. Ça serait bien que je puisse en mettre des grands... Ah là, on a pu en mettre un grand. Hein. En vrai, ça va, quoi. À la limite, je laisse ouvert là, hein, puis ça me fait un petit balconnet. Hein. Est-ce que je vais avoir besoin d'une énorme base toute seule? Je pense pas. Hein. Ça va jusque-là, apparemment. Pas trop ce qu'il prend en compte là. Et finir par tomber. Hein. Non, non. Je sais pas ce qu'il prend en compte. Là, ça s'accroche. Ne pas s'accrocher à mon sol, hein. Je vais être obligé de faire un tout petit truc, si c'est possible. Et de refaire encore un escalier, quoi. En essayant d'être droite sans. Il sera jamais fermé, ma base sera jamais fermée, mais c'est pas grave. Ouais. On est droit là. Moi, le compas dans l'œil, pas terrible. Pas tellement, hein, mais bon. Qui va le voir à part moi? Et vous? Personne? Ah, là, lui, il le voit. Ah, ça me fait laguer! Je n'aime pas. Hein. Que je suis en train de faire comme connerie. Je suis bien obligé le jeu, hein. Je vais la mettre là-bas, ça. Il n'y a pas moyen. Faut que je mette des petits. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Ça, c'est chiant par contre quand on est blessé et sur le point de mourir, apparemment. Bah, on peut rien faire. On peut rien faire, je crois pas. Même si j'aurais des soins ou quoi. Donc faut attendre la mort en regardant l'ennemi dans les yeux, hein. L'ennemi est énervé, mais bon. C'est bizarre quand même, hein. Hop. Renaissance, oui, bah très bien. Et elle reprend ses PV, je parie en plus, la pigargue machin là. Transférer. Bon, c'est bon, je peux couper du bois? Non, je lui demande, hein, parce que ça fait deux fois qu'elle m'attaque. Ok, ouais, c'est un peu dommage, je sais pas comment... Dites-moi en commentaire si jamais vous êtes au courant, comment on se relève? Peut-être en multi, bon, bah ils viennent vous aider, les copains, mais en solo... En solo, il n'y a personne qui va venir. Hein. Mais bon. Alors voilà. Non, mais j'y crois pas.
Attendez, je vais l'éloigner. Je peux pas tellement, mais... En fait, il y a de tout autour de ma base. J'ai vu un puma, là. Est-ce qu'il y a un moyen de se faire un arc? On va essayer de quand même l'arc. Des flèches ou pas? Flèche en pierre. Sait-on jamais? Hop. On va tenter à l'arc, hein, parce qu'il me lâche pas, c'est con, là. Ok. Ok. Je sais pas ce que ça m'a dit, mais très bien. Là. J'imagine que ça recharge tout seul. Non? Je peux pas le prendre dans l'eau. Ok. Non, oula! Ça tire direct. Là. Attendez, hein. Pense que le puma va me déboîter, mais. Encore faut-il savoir où il est, hein? Ah bah oui! Mais je voulais tester! D'en haut, je le tue. De chez moi, je le tue, je pense. Ils m'ont fait perdre un temps. J'ai pas avancé la base, rien. Ces bestioles, là. Saleté. Vas-y. Il va sûrement me suivre, mais c'est pas grave. Alors, faut que j'aille chez moi et que j'arrive à les tuer, quoi. Pareil pour toi, d'ailleurs. Pourquoi celui-là, il devient pas... Il a été abîmé? Je le sens pas. Elle est où? Allez, prends ta flèche! Ah, sérieux! Pensais qu'elle était chargée, quoi. Ah, sérieux! Bah non, j'ai essayé de le tuer chez moi, mais bon. Bah, pas grave. Je sais pas, elle bougeait plus. Je sais pas combien ça lui a mis de dégâts, je lui ai tiré dans la tête. Je sais pas si ça prend les dégâts de zone. Pas sûr, hein. Là, elle est juste sous moi, la pigargue, machin. Ça lui met zéro dégâts. Ok. L'arc est moisi. Bon, on va savoir. Peut-être là, du coup, la... Les fêtes ou pas? Peut-être du coup le couteau. Ou peut-être la lance. On sait pas. Bon bref. Il me faut péter un câble les bestiaux là. Et du coup j'ai plus assez de bois. Et pour aller en chercher, bah voilà quoi. Il y a un marteau de réparation ou un truc. On va essayer déjà de se faire l'établi. Je l'ai pas posé, hein. Pour l'instant, on va le poser en hauteur. Un escalier, j'en ai un là. Quoi, je peux là, sérieux. Non? Dommage. Dommage parce que là, ça va faire très étrange. Oh. C'est moche, mais c'est pas... Mettre un rebord, hein. Non, hein, foutez-moi le camp. Bon, hop. Ça. Si. Ok, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut faire le fourneau en pierre. Donc j'imagine qu'il faut transférer la pierre. D'ailleurs, transférer tout ce bordel là-dedans. Pierre fibre. La pierre sale. Ok, donc on va se faire un fourneau. Très bien. Un pistolet silex, pourquoi pas? Pastille de plomb. Minerai de plomb, minerai. Ok, je crois pas que j'ai ça. J'ai pas le minerai qu'il faut aussi. Ça, là, je sais pas ce que c'est inorganique, là. Ok. Le ruban adhésif. Avec ça. Créature leurre. Reading Monster, can be leurre.
device. Eh ben, c'est très bien, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on est content. Si les montures, les monstres qu'on peut monter peuvent être leurrés par ce truc. Ok. Du coup, j'ai ma truc. Déjà, on aura une forge, c'est déjà bien. Quoi faire? Pour le faire fondre des trucs. Et puis. D'ailleurs, on va tester. Lingot de fer. Pot des minerais. Ça, c'est à moi. Hop. Minerais. Moi, des lingots de fer. On peut faire tout. Ok. Ça donne une trentaine. Ah, par contre, il me faut du bois, non? Il est, non? Voilà. Et là, je pense que voilà, fabriquer des minerais de fer, ok. Hop. Logiquement, ça allait faire. Bon, bah, on verra bien. Et bah, sur ce, les copains, n'hésitez pas à marquer fer si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. On aura commencé la base, elle ressemble à rien, mais j'ai été embêtée par les pygargues, machin, donc bon. Bah, on verra la prochaine fois. Écoutez, les amis. Comment s'en sortir avec ces bestioles? Je pense, je vais quand même tenter avant d'arrêter. N'empêche pas que vous marquiez fer en commentaire. Je vais quand même tenter d'en tuer un. Toi, hein. J'ai fait une lance ou pas? Allez, on va tester. Attends. Remarque. Là, pour le coup, il ne touche pas. Bon. Qu'est-ce qui fait plus de dégâts? Ça, hein. Ah oui. Bah oui, hein, la pigargue à tête blanche. On m'en tue une niveau 44 en plus. Bon, elle est un peu buggée parce qu'elle arrive pas à me toucher, mais c'est bien. Saleté, va. Hein. Bah, au moins, tu vas me donner du cuir, des os et tout ça. Est-ce que tu me donnerais qu'une hache? De la viande. Bah, le couteau est mieux alors. Vas-y, non mais tu t'en sors ou pas? Voilà. Ouais, le couteau est mieux. Là? Ah, j'imagine que le puma, ça se chasse pareil, hein. Il va sûrement me tuer, mais. Puma. Level 41. Sauf que lui, il va pouvoir me toucher. Voilà. Tourne moi aussi. En tournant. Ouais. Non. Lui, non, hein. Il fait mal, hein. Il fait plutôt mal. Bon. On aura tenté le puma, hein. Vous voyez pas grand-chose, moi non plus. Hein. Ok. Alors. Merde. Tout transférer. Écoutez, je rentre à la maison et puis voilà. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. J'aurais bien quand même fait des. Ah, je vais faire cuire de la viande. Mais je sais pas s'il me reste du bois. Non. Mais au moins, j'ai plus la pigargue devant chez moi. Donc ça peut être bien. C'est le bordel, ce truc. Il y en avait d'autres. Elle était pas toute seule. Mais au moins, je vais pouvoir récupérer un petit peu de bois. Réparer ma hache. Non, pas du tout. Mais. Ah. Ah, c'est histoire de dire que j'ai du bois, quoi. Allez. Bah, du coup, j'ai plus rien. On va se faire de la viande. Peut faire que ça en recette. Hein. Il y a déjà du bois dedans. Vas-y, fais tout. Hein. Ok, ça va plutôt vite. Je vais manger là. Ah non, je vais reposer là. Eh ben, nickel. Nickel, nickel. C'est pas encore ça, mais ça va ressembler à une maison un jour, vous verrez. Non, moi j'aime bien en vrai. Hein. J'aime bien l'idée, mais de plusieurs étages comme ça, mais bon. Disons que les escaliers me perturbent un peu qu'on puisse pas les faire aussi longs que les murs. Ça peut
peu bizarre, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, n'hésitez pas cette fois-ci, c'est vrai, à marquer faire en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. Et puis, bah nous, on se dit à bientôt. Hey, ciao. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 € par mois à 14 €. Ça vous offre certains avantages sur les autres. Et en plus, vous me soutenez, vous soutenez cette chaîne. Donc si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tout le monde. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, ciao.